Moi sur internet, sur le serveur, moi j'ai avancé, hein. Moi j'avance. Et si tu viens pas, je suis avancé, je suis pas le serveur. Bah ferme le serveur si tu veux. Vas-y, moi. Oh, tu sais, il fait bip bip là, ça m'énerve ça. Ton casque. Non, j'ai trouvé des Night Vision sur internet. Hein? Ah, elle me fait chier pas ma webcam, hein? Elle me fait chier, hein? Non, mais j'ai pas mis mon casque parce que j'ai la flemme de le débrancher de PS3. Imagine, parce que moi je les énerve là, parce que j'ai mis pas une vidéo hyper, hyper intéressante, j'ai mis mon webcam au milieu. Ah, ça vous gonfle là? Ah, vous aimez pas? Ah, je vous comprends parfaitement. C'est comment quand tu baisses? Tiens, le pire c'est que j'avais fait du stuff pour toi et tout là. Oh, après. Il a rien foutu, j'ai même un lance-roquette et tout. Tatatin! 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 Ah, ça fait trop là. Y'a mieux. Je vous montre comment tout se passe dans la vraie vie. La guerre, la destruction, la masse, et la mort. 56 minutes. Quand tu verras le jeu, si tu veux l'acheter, achète-le. C'est quoi? Supreme Commander Forget d'Alliance. Quoi? Supreme Commander Forget d'Alliance, c'est un jeu de stratégie, mais en hauteur, quoi. Et t'es pas réellement une personne, quoi. Je trouve que ce jeu, il est hyper bien. De quoi? Warface? Ouais, il a l'air bien quand même. C'est ça que j'en ai essayé en vidéo, mais je vais aller de la dernière semaine, j'ai la flemme de faire tout de suite, alors moi je vois Spawn Commander. Moi je suis en train de m'installer. Ah, ok, déjà je vais m'acheter le Veteran Pack. Ah ouais! Oh, ça va. 80 euros, tu les packs. C'est pas trop tôt. Les périmètres au nord. Mais ça, attends, c'est dans feu de l'action, ça explose de partout, c'est trop cool! Oh la putain, c'est abandonné pendant la guerre. Il y a un truc qui est mal fait dans une année, c'est quand tu mets un petit ton arbre, tu peux pas tirer, le viseur, tu sais, il se met sur le côté là. Il en est pas dans le devant, il est sur le côté là. Quentin. Attends, il la rappelle pas. Ouais. Et elle est morte. Tu sais, sur internet, tu peux mettre l'arme sur le côté maintenant pour plus tirer en safety. Ouais, et ben on va dire que quand cette arme est en safety, tu vois, le viseur il est sur le côté. Donc, normalement, tu dois avoir sur le côté sur le voile du viseur. Mm. Sauf que tu prends devant, tu as le viseur pour devant. Ok, m'a foutu. Mm. On peut pas tout demander à un développeur de 16 ans. Ouais. Tu veux quoi comme arme? De toute façon, je vais te rechercher des armes s'il te plaît. Oh, pif d'abord. Un sniper, un truc comme ça. Oh, si tu veux. Donc, un sniper. Alors, on va prendre un petit sniper alors. Voilà, recherche un sniper, c'est parti. Voilà. Donc, j'ai mon mail, on va faire la campagne, on va continuer la campagne. De véhicules de mon jeu, comme ça, on n'aura pas le. En tout cas. Tu veux quoi comme snipe? Tout! Idéalement, ouais. Un Timberwolf. Le Barrett. Y'a pas le Barrett. Ah si. Non. C'est pas le même nom, mais il y est, je crois. C'est le Timberwolf. Peut-être, je connais pas les noms, je connais pas de nom, moi. Oh, je viens de faire un live. Un jour, peut-être sur. Bah, bon, quand même sur ce jeu, peut-être un jour, peut-être. Et pour la lumière d'ailleurs, elle veut pas chier, vous?
Si je me mets là, vous me voyez plus. Ouais, si je fais de l'ombre du coup. Ah, c'est vrai que sans lumière, je suis pas dans la webcam, c'est vrai que c'est déjà mieux en fait. Sniper. Sniper, sniper round 2, round 2. Je regarde comment il s'appelle le nom du Ouais, sniper. c'est vrai que. Alors le petit wiki donne un aide. Oula, mais c'est plus le même, hein. Elle n'existe plus, hein. Fini. C'est que l'ancien maintenant. Ah ok. Il On regarde les anciens maintenant, ils font plus les nouveaux, il n'y est pas encore. y a le grizzly, c'est une réplique de Barrett. Le grizzly. Et t'as un truc, tu sais, le Dragunov. Tu vois quel sniper je te parle. Oui, là, non, bizarre. Sa réplique dans Internet, c'est le Sniper Skya. En vrai, je comprends parce que c'est chiant de trouver des noms, quoi. En gros, toi, je te prends le Grizzly, quoi. Faut que je trouve le Grizzly. Parce que c'est la réplique du Barrett. Allez, à la recherche du Grizzly. Allez. Micro de merde. Il me gêne mon micro. Ils sont marqués qu'ici il y a du scotch parce que je l'ai pété le casque en fait. Encore. Non, pas encore, il a jamais été pété. Oui, tu sais, tu m'as déjà montré, tu tordais dans tous les sens. Putain, gâche leur pas la surprise. Ah, merde, c'est dans la vidéo de 1 heure et quelques que tu m'as demandé de séparer en plusieurs morceaux. Non, je l'ai pas pété dedans. Ah non, par contre, vous dégagez, vous pas tirer dessus comme des espèces de ploucs. Où sont mes avions de merde? Ils sont là-bas, les avions de merde. Go, les avions de merde, allez les aider, mais. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel de merde? Attaquez! On te fait chier! Oui, toi, tu me fais chier, surtout! Non, je rigole. La violence d'un homme. Mais ils se font ravager la gueule! Tu veux un zoom comment? Parce que je peux pas le dessiner sur cette édition. Je peux mettre soit une lumière sur un pointeur Ça lag un laser. peu. Je peux mettre soit une lumière sur un pointeur laser. Je peux mettre un viseur de x8 ou x16. Je peux mettre des pieds, mais je peux pas mettre des silencieux, c'est ça qui est énorme. Mettre des pieds dans le. Non, je rigole. Ta gueule. Non, je déconne. Je déconne, hein, on tape pas. Oh, des moments, j'ai envie. Hein, des fois, ça me tente quand même pas mal, hein. Alors voilà la flotte de bateaux de l'extrémité, extrémitude. Ils défoncent alors qu'ils sont tous à 14 000 km d'ici. Oh, bon, je pense que je vais regarder ta vidéo après. C'est ce que je suis en train de faire là? Ouais. Elle t'intéresse, hein? Oui. Les bateaux de la longévitudinale. Génial. Pourquoi tu veux dire une connerie, c'est ça? Je sentais arriver la connerie. Mieux vaut prévenir que guérir. Même si se guérir, c'est pas mal. Bon, occupez-vous des bateaux qui arrivent vers vous, pas les bateaux qui sont à 14 km, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît. Il y a quand même des priorités. Voilà, maintenant tous les bateaux sont coulés, vous pouvez tirer sur les autres. Et je te montrerai, j'ai des bateaux, c'est ce qu'ils font. Hein. Et vous voyez les croiseurs? Ouais. Et ben mes bateaux et moi ils grimpent sur la terre. Non mais je te le jure, c'est pas une blague, hein, je déconne pas. Je peux vraiment En aller gros, sur la terre. Hein. le truc, c'est même pas un bateau, c'est un tout-terrain, Ah ouais, bordel. mais carrément, il peut aller sur l'eau. Il y a même une autre race, un bateau. Tu sais que ça s'appelle un aéroglisseur. Non, 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 là il se balade avec des pattes en fait. Non, mais c'est un vrai bateau, hein, c'est celui-là là. Tu verras sur la vidéo, c'est un vrai bateau. Hein. Sauf qu'il sort des pattes. Non, je crois que c'est pas celui. Attends, sinon. C'est quoi ce bateau? Merde, attends, je le retrouve plus. On pêche Non, non, dans attends, la... attends, faut que j'en construise un, c'est pas le bon. Vous voyez là, il y a un sous-marin nucléaire. Voilà, Merde, c'est ça, pour c'est toi. la classe. Non, c'est un destroyer en fait, excusez-moi, c'est la classe Salem. C'est un bateau qui peut aller sur la Terre. Là, je te le montrerai après. Le sous-marin stratégique. Le sous-marin nucléaire, j'en ai deux qui se baladent dans la mer. Peut-être que quand ils vont tirer, ça va leur piquer quelque chose. Bon, on va dire qu'il n'y aura plus de Bah, terre. leur base me fait un peu chier depuis 20 minutes, du coup, bah, je leur envoie des T4 qui vont leur défoncer leur gueule. Et ils sont en train de me construire une artillerie C'est pour pas le après. jour où t'as une espèce de planète et t'as un gros robot géant qui doit construire des bâtiments? Un peu de choses près, quand même. Après, je peux pas dire, mais ma webcam, elle vous fait chier en fait.
Mais sérieusement, Ouais, vous faites juste grave je chier. vais 2 secondes pour voir le jeu. Patientez, je vais juste enlever la webcam. Voilà. Parce que sinon, vous voyez pas les statistiques en haut, là. Mais la musique d'Internet, c'est un peu bizarre. Bon, j'ai trouvé ton sniper avec un viseur, il ne reste plus que le Bon, pointeur allez, laser. les gars. Vous avancez, vous détruisez toutes ces défenses, hein. Il faut qu'il reste plus rien, même lui va mourir. Il va se prendre 2 missiles nucléaires dans la gueule, ça la prendra à me faire chier avec des avions. Partage 2 secondes. Tu vois, moi, non, mais je peux pas partager, c'est un. Je joue en grand écran, je peux pas partager. Brackman est un vieillard sénile. Oh, il vient de le traiter de vieillard sénile. Mec, il a pas le sens des priorités. Moi de base, j'ai sauvé des civils et tout. Attendez, vous vous souvenez là-bas. Voyez, t'as vu qu'ils arrivent là, regardez comment ils vont se faire défoncer leur gueule. Chaque petit point, c'est des missiles. Autant vous dire qu'ils s'en prennent, mais plein la bouche. Ce que j'entends, effectivement. Ah, mais sans problème, plein la bouche, les mecs. Plein la bouche. Ils se font juste ravager par la vieillesse, mais quelque chose de bien. De la vie, par la vieillesse. Ouais, parce que je suis une race ancienne. Enfin, la vieille. S'il vous plaît, mais attaquez pas les lance-torpilles aussi près, vous êtes con, il y a des bateaux qui tirent à 14 km. Ouais, tous ces bateaux là, attends, je vais regarder la vidéo, mais tous ces bateaux là, eux ils tirent de là, alors que lui il veut juste s'approcher, alors qu'il y a de lance-torpilles, il est con, il vient de perdre deux bateaux à cause de ça. Pas très intelligent, t'es. Mais non, mais ils sont cons, c'est pour ça qu'il faut un chef pour les diriger, parce qu'ils sont juste. Alors ça, c'est des monstres. Ah merde, ils tirent pas pour de vrai. Soit je vais les faire attaquer la base, ils vont tirer comme ça. Vous verrez ces putains de monstres. Oh, j'ai raté ta vidéo, t'as fait trop. Putain, Arthur, ça fait un bail que j'ai pas vu connecter. Mais jamais connecté. T'es pas connu, jamais connecté. S'il a raté YouTube. Oh, le lâcheur. Il a raté l'argent des abonnés. Oh, c'est le danger. Mais non, je rigole. Hein. Ne me pétez pas la gueule, s'il vous plaît, les amis. On est amis maintenant. Ah, mais il a plein de choses lui à détruire, mais il fait chier avoir autant de choses à détruire. Enfin, même si ça me fait plaisir au fond, mais. Mais oui. Et moi, je suis diplomatique, alors je vais te calmer. Lance-missile nucléaire, c'est diplomatique. Un mec qui n'est pas d'accord avec moi, un missile nucléaire dans sa gueule. Il est pas s'il est encore moins d'accord, et bah 2. Voire 3. je plains le pays qui. Bah je plains les ennemis surtout moi parce que. Wouhou. En plus j'ai 2 artilleries lourdes qui leur pilonnent sa base depuis 20 minutes. Attends, mais c'est quoi, c'est un bateau ça? Bon, bombardier torpilleur, allez couler ce bateau. J'en ai 15, ils vont laminer ce bateau. Mais arrêtez de m'envoyer des avions. Aïe 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 aïe. Ce mec est échappé d'Asie. Je vais exterminer la population. Bon, comment t'as deviné? Mais sans déconner, mais m'explose mes véhicules lourds. À cause de ces avions de merde là. Regarde, bim bim, regarde. Je regarde dans la vidéo comment ils tirent des lasers. Mais c'est psychopathe les avions là. Les véhicules là, pardon. C'est des putains de psychopathes. Ils tirent des lasers par leur trou de balle. Non, je rigole. Non, mais. Tu verrais la puissance de feu de ces machins. Du coup, j'envoie des avions pour réduire leur gueule à zéro parce qu'ils commencent à me faire chier avec leur avion de merde là. Du coup, j'envoie des intercepteurs Tech 3 qui sont les plus puissants dans tous les intercepteurs. J'en ai une. Combien j'ai pas de compter, ils sont trop chiants à compter. Mais attendez, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? Mais détruisez? Ils en envoient 4, vous êtes 50? Vous êtes pas genre, vous avez un problème? Non, en plus, le pire dans ça, c'est ce qu'ils sont en plus. Non. Ils sont furtifs en plus. Ils sont défoncés. Oh la guerre, regarde la guerre. Oh la guerre, destruction. Le ravage de la gentillesse. Je suis l'élu. Attends, mais par contre, les T4 ça suffit 4 secondes, les T4. Hein. Prends ça dans ta gueule, toi. Le T4 le plus puissant de l'humanité qui va se faire réduire en même pas 4 minutes. J'ai masse de bouffer. Et voilà, il est mort. Mais bon, il n'y a pas des boucliers, il faut détruire en même pas qu'une seconde les boucliers.
On va faire la paix, hein, tu dois nous. Oh, l'UBC. Au revoir, Gary. Je t'aimais pas du tout. Non, mais vous dégagez. Dégagez, non, dégagez. En fait, quand le commandeur explose, on va. Non, une... Bah, c'est pas une bombe nucléaire qui l'a fait exploser là. C'est de la merde. Le fail. Bon, je vais vous montrer les bateaux pendant qu'ils sont encore là. Vous voyez ces trois bateaux là? Et bah, ils peuvent aller sur la Terre. Et oui, Jamy. Ils peuvent aller sur la Terre. C'est pour ça que c'est hilarant. Si, et le commandeur Séraphim au nord-est. L'alien est probablement agacé par la mort de sa petite chérie. Oh, j'ai tué sa femme à l'ennemi. Oh, elle a pas dû aimer. Clark doit tenir. Elle apprendra, t'es une espèce de pute. Oh, mais comment. Mais c'est quoi ça? Ils ont pas de défense ou quoi? Les Séraphims sont à l'est de ma position et ils ont un paquet de prototypes. Bon, au moins ils sont tech 2, hein. La base que je protégeais elle est tech 1. Tiens, envoie-moi des 4 araignées, ils vont le faire le travail. Oh putain. Les cibrans, j'adore leur nom. Les cibrans, on dirait des cibranles ou je sais pas, un truc comme ça. On dirait que cet extraterrestre envoie un missile. Toujours là. Merde, la ville. Non, pas la ville. Fils de pute. J'ai tiré un missile nucléaire sur la ville. Mais c'est un malade le mec. Attends un peu, je vais m'en occuper de cette espèce d'enculé. Le but c'est pas de se laisser. Bah si, mais c'est l'ennemi qui me tire dessus. Enfin, il veut tirer dessus au lance missile nucléaire. Il a le droit de me détruire. Ouais, c'est vrai, il a le droit. Mais moi, je trouve pas ça fair play. Il a pu me demander avant d'en tirer un. Du coup, maintenant, je suis obligé de tirer 4 missiles nucléaires. C'est politique quand j'ai déclaré la guerre en Zone, c'était. Est-ce que je peux t'envoyer le missile nucléaire? Est-ce que je peux t'envoyer un missile? Est-ce que j'ai le droit, s'il te plaît? Non, s'il te plaît, dis-moi, j'ai le droit. Non. Mais pourquoi t'es pas sympa? Viens la guerre comme ça, quoi. La guerre juste incroyable. Qui fera perdre. Ce foutu alien commence à faiblir. Putain, il m'a coulé tous mes bateaux là, t'enfoiré! Mais je te jure, il va pas survivre lui. On va encore une missile nucléaire. Ça sera le premier mec à crever. Il va crever dans sa chiasse. Mec, on voit que des missiles nucléaires. Ouais, mais après, c'est ils sont tous en construction. Mais en fait, j'ai un silo dans ce nucléaire avec un missile nucléaire. J'ai deux sous-marins nucléaires qui sont quelque part par là. Il y en a un là. Il y a combien de missiles? T'as combien de pourcents? Mais t'as rien fait en fait depuis le début. À part se toucher, je vois pas d'utilité de ce bateau. Après, mais attends, j'en avais deux de sous-marins nucléaires, non? Et on en détruit un, j'arrive pas à y croire. Enfin, repart à la base, soit à la base, tu seras en sécurité. Ah, parce que vu que c'est un sous-marin, bah c'est là à l'abri. Alors, je vais faire monter les bateaux sur Terre. Je plaisante pas, regardez. On va les suivre. Ils grimpent réellement sur la Terre. Mais c'est pas des ils sont pas amphibies, hein. C'est juste des espèces de pattes. Ah bah, il y a des avions qui passent, ils sont en train de les allumer au l'artillerie, je peux te dire qu'ils souffrent. Hein. Regardez. Vous voyez, ils grimpent carrément sur la Terre. Et pas un petit truc, hein. Des bateaux sur la Terre, vous avez jamais vu ça, hein? Ben non, hein. Si, moi j'en ai vu. Ou plus important, on retourne dans la flotte parce que sur la Terre ils sont hyper lents et ils sont en train de faire pilote. Bah, il y en a un de mort. Ouais, en fait, ils bombardent au bombardier et puis vu que les bateaux ils sont extrêmement lents sur la Terre, du coup ils se font allumer partout les bombes. Alors sur l'eau, ils ont plus grande chance de survivre sur l'eau. Vu qu'ils vont plus vite. Ouais, j'en avais 3, il n'y en a plus que 2. Je m'en fous, ils se font pilonner à l'artillerie. J'ai créé 3 coffres phosphores. Mais non, mais toi, attaque pas l'avion, espèce de... Mais putain, mais qui est con? Qui est con? Ah, le con. Ah oui, mais là, c'est pour être con, il est con. Eh merde, vas-y, tuez-les moi. Tiens, c'est quoi, je vous prends deux lance-missiles antiaériens, vous comprendre leur douleur. Vous arrêtez-vous là, faites-moi deux lance-missiles antiaériens.
On va les calmer un peu cette bande d'enculés. Ah oui, c'est là, vous tirez contre les avions, vous. J'avais oublié, tiens, qu'il y en avait un d'entre eux qui tirait. J'ai pas fait de le mettre. Ah putain, mais mon. Elle me défonce, hein. Cassez tous les couilles, vous savez. Et quoi, je vais dans l'eau, vous savez, vous pouvez plus rien me faire, bande d'enculés. Sous l'eau. Bah oui, c'est des robots, il faut aller sous l'eau. Du coup, je les envoie dans la flotte. Le bateau, il, en fait, c'est même pas un bateau. C'est mais il y a un bateau qui va sous l'eau, il y a un bateau, c'est un sous-marin et tout. En fait, c'est même pas un bateau, c'est un robot. Mais carrément. Hein. Par contre, comment un missile les a juste tellement chamboulés. Mais bon, fou, ils sont blindés, c'est comme moi, mais en plus petit. Et en moins puissant. Donc moi, par exemple, je peux avoir un lance-missile intégré dans le dos. Un lance-missile nucléaire dans le dos. Enfin, un lance-missile tactique qui fait autant de dégâts qu'un autant de dommages qu'un lance-missile nucléaire. Mais qui fait 3 fois sa puissance. Tain, ils vont mourir. Gros pire, quand je serai sous l'eau, je la réparerai. Ouais, mais si tu vas sous l'eau, il y aura des fuites. C'est cassé. Ouais. C'est pas cassé. Non, mais ils s'en foutent, ils perdent pas de vie sous l'eau. Voilà, donc maintenant que vous êtes sous l'eau, vous stop. Déjà, c'est genre, d'ailleurs, ça fume sous l'eau, c'est un peu bizarre, mais bon. Pour juger. Alors maintenant vous réparez sous la flotte. De toute façon on s'en fout, vous avez, on peut pas vous tirer dessus sur la flotte vu qu'ils ont pas de bombardier torpilleur, on est à l'abri. C'est là, il y a un sous-marin nucléaire ennemi. Mais puis là vous me cassez les couilles. Et ouais, bah, si vous êtes nul. Par contre j'ai trouvé masse de. Laisse tomber. Quand oh oui, il a réellement tiré sur la spice nucléaire, mais c'est de la merde sur la spice nucléaire. Mec, quand tu viendras sur le serveur, tu verras la quantité industrielle d'œufs. Je vous montrerai le dégât d'un missile nucléaire à eux et un dégât de mes missiles nucléaires à moi. Vous voyez qu'il y a une petite différence de. Alors, voyez, là, c'est son missile nucléaire qui a explosé. Voilà le rayon de dégâts. Ouais. Vous verrez le mien quand je vais. Si vous voulez, je vais même en tirer. Attends, on va voir si elle part dans défense anti-missile parce que si en défense anti-missile, je suis dans la merde. Oui, il en a une. Bah, c'est quoi? Allez, la retirer, tu vas la pilonner dans son défense anti-missile nucléaire, il mérite pas d'en avoir une. Ah, vas-y, tu me dis qu'elle est trop loin. Oh, me casse les couilles, ce bombardier. Eh ben, tu sais quoi? Construis-moi des bateaux qui vont tirer hyper loin pour leur ravager sa gueule. Et vas-y, fais-moi un porte-avions. Fais-moi deux porte-avions. C'est pas un espèce de robot géant qui, quand il construit des bâtiments, on dirait qu'il vomit dessus. C'est possible, je sais pas trop. Trop. Je crois que je vois de quel jeu tu parles. Ah oui, celui-là, oui, celui-là. Oui, les Ion. Ils font c'est un espèce de trait dégueulasse qui fait. Il y a un truc qui se vient de VO. Donc oui, tu dois choisir une planète, tu t'implantes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, mais je connais ce jeu. Mais sauf que j'ai jamais joué. Bah faut qu'il joue, c'est trop cool. Il y a la guerre partout, c'est la destruction, la massivité et tout, là. Je aussi. Bah, je te jure, joue-y, vas-y. Mais est-ce qu'on peut jouer deux? Oui, on peut jouer un petit joueur. Bah, j'espère. Là, on peut jouer un petit joueur. Il reste 35 putain de minutes. On peut jouer en local, mais en petit joueur, j'en ai aucune idée. En local, t'es sérieux? Oui. C'est-à-dire que si on peut jouer en local, ça veut dire qu'on peut jouer en Amachine. Bah c'est bon alors. Non, on n'a pas besoin d'Amachine en fait, non. Ils ont fait des serveurs. Eux aussi bien fait leur serveur. En fait, tu héberges ton propre serveur à toi. Épelle-moi le nom. Ah, oh, mais je sais pas, je connais pas le nom par cœur. Regarde, je cherche Farm Commander Forged Alliance sur internet, merde. Bon, attends. Bah, cherche Farm Commander et Forged Alliance. Ouais. Le jeu à 10€. Bah oui, bah avant moi je l'ai acheté à 30€. Ah hein. Oh, ouais, il a baissé quoi. Parce que je l'ai acheté au tout début. Hein. Et d'ailleurs, ça vaut vachement le coup. Donc, si vous. Tiens, les abonnés, ouais, si. Bon, les abonnés, si vous voulez y jouer, achetez-le et puis on fait tous une partie tous ensemble. Le bordel. J'imagine bien. À 8 sur une map en train de se foutre dans la gueule. Moi je veux faire alliance avec toi. Alors j'ai eu ah oui, moi j'ai eu le meilleur arme, j'ai eu un missile nucléaire après 20 minutes de jeu. La fin de l'humanité est proche. 2 ans après l'Infinity War, les grandes nations se reposant en une promesse d'un avenir meilleur de ce type sympa. Putain, mais ils ont une défense du missile nucléaire, elle me casse les couilles. Un nouvel ennemi soutenu par les OL of the Order cherche à présent à éradiquer la fraction humaine comme l'UF. UEF. Non, l'FTU, c'est FTU. Y'a pas du UEF, c'est FTU. C'est UEF. Non, c'est les FTU. Ah bon ? UEF. Bah y'a un problème de traduction, alors non, c'est FTU. Regardez, là il écrit même. Non, y'a pas écrit, pardon.
Putain, il me fait baiser à chaque fois. Attendez, y'a pas Sans Commander. Bah regardez. En bas là, bâtiment administratif FTU. Putain, c'est combien de trucs il me manque? Non. 1€. Mais il tire sur quoi le l'artillerie? Ah, sur cible inconnue, d'accord. Il tire sur rien en fait. Il s'amuse à. Ah, ok, il essaie de couler les bateaux qui sont loin. Ok. D'accord. Il s'amuse à faire des tirs au pigeon. Bah, tu sais quoi? Tu vas me les faire couler, cette bande de cons. Parce que les bombardiers torpilleurs, c'est la vie. Ah, même en suivant pendant son dur périple. Moi, je te tends. Oh là là, comment, regardez, quand tout qui sort d'un. Et bien sûr, il y en a un qui a plus d'essence. Mais pourquoi elle a plus d'essence? Et attends, il y en a 19, il y en a un qui a plus d'essence sur les 19. Bon, le mec a plus d'essence, tu dégages, tu retournes à la base. Donc, tu vas t'écraser, et puis après, on va dire que c'est encore ma faute. J'ai envie de te dire, comment veux-tu qu'il retourne à la base s'il y a plus d'essence? Ah, mais il y en a toujours, c'est ce qu'il y en a très très peu. Et s'il y en a. Et s'il arrive à 0, bah il s'écrase, je crois. Ah, ouais, bah. Oh, mais c'est des bateaux tech 1, j'ai des bateaux tech 3 moi. Oh le loser, il va se faire défoncer par tous mes avions torpilleurs. Prends-toi ça, espèce de fumier. Ouais, tu sous là, c'est tout des torpilles. Au revoir. Ça y est, il est mort. Bah c'est pour ça que c'est un sniper, je tire de loin. Ouais, en plus j'ai mis le meilleur viseur. Un x16. La mitraillette plus lourde aussi, un viseur x16. La victime. Oh, l'ennemi c'est une victime. Donc du coup on peut sniper et tout. What is mais dégagez, retournez à la base, vous êtes complètement con, faites tirer dessus pour 20 minutes et le mec. On va attendre. Et un bateau en moins, et bientôt un deuxième, non? Ah non, les missiles vont s'en charger, je crois. Vas-y, encore un peu. Alors voilà, tous les petits pois, c'est des missiles. Alors, si tu veux, j'ai masse d'uniforme de police. Non, mais je m'en fous, tous les petits pois, c'est des missiles, alors je les abrège bien. Donc si vous êtes un abonné, que vous voulez jouer, achetez ce jeu et puis on jouera tous ensemble. On formera une grande famille et puis on tuera tout le monde. Bon ça je déconne pour la grande famille. Éco-fuel monsieur. Non mais c'est pas fuel, c'est même pas fuel qui est écrit, c'est fuel. Ah ouais, c'est même pas fuel, c'est fuel. C'est réellement ça quoi, c'est fuel. fuel. Et tu fuel pas mal. Non. Bon alors qu'est-ce que je peux construire? Voilà. Après y'a les. Alors après. 5Go3 à télécharger, je suis à 3Go. De quoi? Bah Warface, il y a 5Go3 à télécharger. Bah si t'achètes sur Commander, joue-y hein, parce que. Waouh, il est formidable. Formidable. 1€. Formidable. Ah bah ça y est, ils sont réparés mes véhicules blindés là. Là vous savez quoi, vous me faire. De toute façon, si tout se passe bien, demain j'ai une recharge de 20€ sur Steam. Je vais remettre 20€ sur Steam. Ah bah comme ça on pourrait enfin y jouer ensemble. Hein, depuis le temps que je te demande. T'as rien à répondre à ça toi. Hein? Non ouais. J'ai dit depuis le temps que je te demande et toi tu me réponds pas. Tu me dis. Tu dis rien, je t'ai demandé qu'aujourd'hui d'y jouer. Oui. Même pas que. Ouais. Mais tu t'as rien à dire. Mais tu sais, j'ai tellement eu l'habitude avec toi pendant toute cette année de 3ème que. Oh, mais j'ai c'est bon, arrête de te plaindre. Je suis pas qu'un enculé quand même. Majoritairement. Ne réponds pas. Je sais que je sais très bien que j'ai dit une connerie, mais bon, ne réponds pas quand même. Vous voyez les abonnés avec moi, on rigole bien. Alors venez, oh putain, la vague d'avions qu'il envoie. Oh putain, c'est l'anarchie avant l'heure. Bon, comment je fais? J'ai plus de 120 paquets d'œufs à déplacer alors que mon véhicule peut pas en contenir.
D'ailleurs, c'est chiant que dans le tunnel, les véhicules n'ont pas d'espace de stockage. Ouais, c'est vrai que c'est quand même. Surtout même la remorque, quoi. T'aurais pu mettre, même mettre un truc dans la remorque pourtant. Ben regarde, moi j'ai mon Forest Ural là. J'ai un véhicule avec plein de slots. Il a un putain de truc à l'arrière. On pourrait foutre un coffre. Ben oui, j'ai essayé, ça a fait exploser le véhicule. On peut pas les poser sur le véhicule. Mais c'est vrai que la mise à jour qui va, c'est que je peux rajouter quelques trucs dans la voiture. D'ailleurs, tu sais qu'à cette mise à jour, ils ont dit que normalement on devait pouvoir piloter un hélicoptère. Ouais. Le seul truc qu'on peut faire, c'est réparer l'hélicoptère. Mais y'a pas d'hélicoptère, si? Si. Ah bah, je savais pas. Avant, à la place d'Oral. Par contre, j'ai plus d'énergie, ça commence vraiment à me casser les couilles, ça. Avant qu'il y ait Oral prison, il y a eu un hélicoptère. Maintenant, il est aux alentours de. Soit contre une Island, tu. Et Courtin Island, là. Contre Island, j'ai compris, mais je dis ouais. Courtin Island. Un prototype massif s'approche de Fort Clark. Courtin Isle. On voit plein d'avions. Ouah, merde. Ah non, ça faut que je le fous tout de suite, ça, par contre, parce que sinon on est mort. En fait, c'est que ce robot là il est pas très très puissant. Par contre, à partir du moment où il a explosé, c'est un monstre. C'est le jour, si ça arrive dans ta base et ça explose, t'es fini. T'envoies rayon électrique, mais tout ce qui est autour, ça explose. La base. Ah non, mais tout, c'est un rayon comme plutôt grand. Ce robot là en vrai il est pas hyper puissant, il se fait détruire facilement, il est pas hyper solide. Mais par contre, ce qui meurt dans ta base, c'est fini. Je vais trouver des vêtements pour toi. Ah merci, m'habiller en ce temps de crise. Je vais t'habiller en policier. En ce temps de crise. Accélérez le mouvement, Sibran. Il faut éliminer ça, c'est rapide. Mais c'est pas ma faute si mes véhicules ils sont lents, merde. Ta faute. Mec, tu me le suis, dépêchez-vous sinon il va mourir. Mais merde, c'est pas ma faute s'ils sont lents, mes véhicules.